comme le début de game, mal. Bah moi ça a été, j'ai réussi à bien remonter la game pour être franc avec toi, mais c'est vrai qu'on l'a perdu, donc ça c'est mal fini. Mais j'ai pensé au côté individuel de la mort, je suis désolé, je suis trop égoïste, désolé. La truffe, tu vas te faire OS ta ville. OS ma ville? Par quoi? C'est qui dit ça? C'est un nouveau? C'est un nouveau, Skylawar. C'est un nouveau! C'est un nouveau, il sait pas. Il sait pas que... Bah, de toute façon, on s'en fout en fait. À partir du moment où il y a 4 galères qui sont dans cette eau peu profonde, en fait, j'ai déjà perdu. C'est ça le truc. C'est que quand on va sur le naval, on commit sur le naval. C'est pas grave. Non mais imagine-toi s'il y a 4 galères qui réussissent à arriver là. J'ai déjà perdu en fait. C'est comme si... S'il y avait qu'une seule... Si je reste là par exemple. Par exemple si je reste là et que je mets mon peur ici. Là, il y a besoin que d'une galère pour que je sois IRL. Pourquoi? Bonjour mes lignes duel. Et je perds que les DB, que les B2. Non, je suis pas drunk. Mais non. Là, il me faut juste une galère qui se positionne ici sur le port que je mettrai pour que je ne sorte plus aucune unité maritime. Donc le mec a besoin juste d'une galère, de se positionner ici, que je puisse jamais la déloger et la gagner la game en aval. Tu vois, d'un côté, c'est mieux d'aller sur 4 cases ouvertes. Go truffe. Ouais, je pense que je go truffe. Je pense. On voit les rendements à travers mon corps. Ah bon, c'est vrai? Ah putain, j'espère que je suis... Est-ce que ça va? Est-ce que la vidéo, c'est ok pour vous? Est-ce que le chat, j'ai augmenté un petit peu la taille du chat? Vous me dites si c'est bien, si c'est pas assez bien, si on enlève, si on arrête de mettre le chat. Ah bonjour les nouveaux. Tout ok. Ah! T-shirt fond vert. T-shirt vert sur fond vert, bien vu ça. C'est pas... Il est pas vert. Il est gris vert. J'ai l'impression que le chat est en décalé. Ah ouais? Non, ça a l'air bien. T'en penses quoi du patch de la religion? C'est la moins mobilité possible dans ce jeu. Voilà. Ouais. Moi, vous voyez, j'ai un côté social, j'ai un côté humain. Et je me dis, je me mets à la place des mecs, des développeurs de Firaxis. Et je suis là, c'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, on leur fait un gros fuck. Ils ont fait un truc dans le jeu et on enlève un bouton. On enlève le bouton. Je suis là, c'est trop. C'est trop, les mecs. Bon, ce que je voulais faire quand même, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y avait comme case ici. J'aurais pas. Ok. Un petit peu dommage. 4, 1, 2, 3. Là, je pourrais me mettre là. Ah. Parce que si je me mets là, 1, 2, 3, non. Ouf! J'ai bien fait. Parce que je pensais qu'il y avait encore un petit peu de terre ici. Je l'avoue. Donc du coup, les missions. Qu'est-ce que c'est déjà les missions? Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire une mission exclusive à l'Espagne. ×2 et ×2 production +1 et nourriture +1 en cas de construction sur un continent différent de votre capitale. Science +1 pour chaque campus et lieu adjacent. Et science +2 après avoir adopté les lumières. Et ça nous fait de l'habitation. Dommage, j'ai pas un récif à côté de la montagne. Oui, là, un petit récif, là, ça aurait été pas mal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Donc on a une 1-2 après, on va sûrement prendre une B2 ici, avec une 4-0, une 1-4. On aura un mauvais port, mais bon, on va dire que c'est pas très très grave. De toute façon, c'est... Notre B2, elle sera sûrement ici, en vrai, à côté des deux poissons là. Et on aurait pu mettre un port ici, un port là, mais ça sera pas super utile. On peut pas mettre une place de gouvernance qui va up les deux ports. Donc on va rester comme ça, je pense. Et on va mettre notre port sur notre +6... de base. +5. Parce qu'on pourra pas mettre de quartier à côté. Ah, bienvenue, bonjour. Salut psychote. J'ai enfin créé un compte Twitch. Ah putain, merci à toi, vraiment super. Merci pour le soutien. Il est beau le port là. Le port est beau. Donc du coup, on va partir sur quoi? On va pas partir sur des lieux saints, etc. Moi, c'est pas un truc que j'apprécie du côté de notre ami l'Espagne. Pas de base. Ah, on va pas être en 3 de food ici. On va enlever un marécage. Donc du coup on sera plus qu'en 2 de food. On sera en 2, en 3. Ah je pensais qu'on allait être en 3, 1, 3. C'est dommage. Là je pense, hein. Marécage enlevé, moins de food. On attend Murciel. Murciel, qui est un joueur de foot espagnol, non? Salut, salut Emoji Moon. Alors, Ping Nord Sud. Ah oui c'est vrai. Un prime Merci beaucoup, Volvic Bottle. J'ai rajouté l'extension Better TTV, Emoticon, Emoji, Fun and Gaming. Voilà, je tiens à vous le dire. Et Frankie Machin, Emote, Gaming, Fun. Donc voilà, si vous êtes aficionado de ça, si vous êtes habitué, routinier, allez-y. Vous pouvez. Pog. Mais Pog! Mais Pog! Voilà, donc vous faites ce que vous voulez maintenant. Pourquoi pas de religion avec l'Espagne? On va faire une religion, mais pas de suite. On va surtout se concentrer sur avoir des ports, sur avoir... On va voir comment ça va se passer, mais généralement, en teamer, comment je le joue l'Espagne, je vais faire 4 ou 5 villes maximum, et je vais faire vraiment un très gros all-in sur le deuxième âge pour avoir... Le premier âge pour avoir les caravelles, le deuxième âge, un âge sombre, généralement pour essayer de... d'exploser quelqu'un avec les caravelles en +5 et après avoir un âge héroïque pour repartir en monumentalité, en réforme de la monnaie et en Inksundracones pour resettle et pour faire des goals à la team. Donc là, bon, on va voir quoi. Donc on commence en 1-3. Ah, on n'aime pas bien ça, mais bon. Et on va aller vers le... On va aller vers la toundra là, j'ai l'impression qu'il y a de la toundra ici, on voit un petit bout de neige. Évidemment, navigation à voile directement. On a combien? On a 16, 5, 23. On pourrait aller acheter ça rapidement. Un prime. On va faire un petit éclaireur. Salut Tao Jack, j'espère que tu vas bien, merci. On va faire un petit éclaireur, on va faire double éclaireur sûrement. C'est généralement ce qu'on fait quand on a une 1-3 sur nous. Ok. Ah, et ça nous prend le riz là directement? Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ce qu'on voulait, c'est avoir le tabac assez rapidement pour avoir le dieu des poissons. Je l'avoue. On fera donc une religion un peu plus tard. Hein. Dans le jeu, on va pas se presser pour la faire. On va faire les petits bateaux, on va faire les ports, tranquillement. Je veux pas acheter le tabac pour le dieu de la mer. Si, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai envie de gros en fait dans ma ville, d'avoir un peu de pop. Et apparemment on nous prend le riz là directement, donc c'est une bonne capliang d'ailleurs. Beaucoup de riz là c'est un petit peu chiant, mais en vrai, il y a des trucs à faire. On a un petit aqueduc à poser ici, pourquoi pas pour mettre 3 zones indus. Ouais, on va tourner avec lui. Hein. Ah là là, ça va vraiment récupérer le riz en 3-0 alors qu'il y a une 3-1-1 côté, une 1-3-1 ressources de luxe. Ah, ça me fait halluciner. Moi, si je suis là, je comprends pas. Est-ce qu'on part de scout? Pas vraiment l'utilité là, parce qu'on est sur le coin d'une map. Donc on va voir notre guerrier qui va scouter le nord et qui va scouter vers ici. Et notre éclaireur qui va le scouter notre B2, j'imagine. Salut Coil, merci beaucoup à toi. C'est quoi les sidéos? Une bonne yang? Les cadeaux? Sidéo, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je suis désolé. Et merci Dao Jack, merci beaucoup. J'ai envie d'acheter ce tabac hein, quand même. Je vous l'avoue. Alors on va commencer peut-être à mettre quelques pins au bout aussi à un moment. Ça c'est le massif pyrénéen. Peut-être. Ah, c'est toujours le riz. Si c'est le riz qui est pris, franchement. C'est une honte. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait partir bâtisseur, en vrai, et acheter la 1-3-1. On part bâtisseur, on achète la 1-3-1, et on va aller travailler les différents poissons en espérant avoir dieu de la mer. On fait qu'un seul scout. Go tabac. Ah, les gens veulent le tabac. Hein. On a un peu plus de gold grâce à cette truffe de base. C'est une bonne nouvelle. Et on espère évidemment qu'on va choisir le poisson ressource bonus que le riz là. Pourquoi ça privilégie justement la ressource terrestre là? Ah, ça privilégie la ressource terrestre. Je sais pas comment, je comprends pas. Des fois je comprends pas ce jeu. Ok, on n'a pas un mauvais spawn ici. C'est un peu dommage pour les deux montagnes, etc. Mais on sera en 2-2, on aura un bon port. On a des mines à côté. Alors malheureusement j'aurais bien voulu me settle sur l'autre continent en vrai, maintenant que j'ai vu la situation et la position de la map. On aura sûrement une ville ici à un moment dans le game. Pas de suite évidemment, mais pour profiter des missions. Donc on va se poser là, on va se poser là. Tiens, ça lag pas du tout, c'est bien. Ok. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a récupéré... Il y a déjà quelqu'un qui a récupéré une relique? C'est ça? C'est ça le truc? Salut The Bed. À quoi servent les ressources bonus par rapport aux ressources de luxe? Bah, c'est une ressource en fait qui donne un peu plus de rendement sur le terrain où il est, tout simplement. Tu vois par exemple le riz là, à côté de la case juste à côté de la prairie. Normalement il devrait être en 2-0 et le riz rajoute plus 1 de food. Voilà, c'est assez clair. Là pourquoi on est en 4-0? Parce qu'il y a un marais en plus, le marais qui est une autre feature de terrain qui permet de rajouter 1 de food. Bon là il n'y a rien de spécial. Les ressources bonus, on peut les chop par rapport aux ressources de luxe ou les ressources stratégiques. Et chop, ça veut dire récupérer la ressource justement pour améliorer en food, en production, la ville qui travaille cette ressource. Ça prend le riz parce que t'as pas la techno pour faire les bateaux de pêche. Ah, super information, merci à toi. Je savais pas du tout. En vrai, comment on récupère une relique? Elles sont sur la map? Ouais. Elles sont dans des petites huttes. Et tu te déplaces avec ton scout pour aller les récupérer, ou avec ton guerrier. Super. Super, j'adore. La cordillère de je ne sais quoi. On va voir un autre continent encore. Plutôt une bonne nouvelle, on va voir l'époustouflant ici, l'attrait. L'attrait à 5, j'imagine qu'il y a des montagnes partout, donc on va repartir vers là-bas. Ok, alors est-ce qu'on va retourner ici, je pense, avec le guerrier? Parce que sinon on va avoir trop de problèmes. Trop de problèmes. Et on va hacher cette case. Ici, on va partir navigation astronomique directement. Et je pense qu'on va économiser après notre goal pour aller acheter un guerrier. On n'est pas sûr, mais pourquoi pas. Il y a une désolateur qui est vraiment acceptable. Waouh, ça me fait chier ça. Ils me font chier direct. On taffe le premier qui est juste à côté. Est-ce que c'est dangereux d'envoyer son colon? Bah bien sûr. On va être obligé de faire un guerrier là. Okay. On va aller récupérer ça. Alors le Gondwana. Le Gondwana n'aura peut-être une ville à un moment ici. On verra. Et ici on a des villes qui pourraient être récupérées un peu plus loin. Voilà. 4 cases, 1, 2, 3, 4. Ici par exemple. Alors c'est sûr... Alors, je sais pas exactement si c'est juste tout simplement... sur une case qui est pas sur le continent de départ de notre capitale où on peut poser les missions, ou si sur les villes, dans les villes justement, qui ont cette particularité là. On va être sur la même capitale quoi. Tiens, un petit volcan qui est là. Ouais, on a fait un guerrier. On est super déçus évidemment. On va mettre ça. Gold. On est extrêmement déçu hein, d'être obligé de faire un guerrier. Parce que si on avait fait un colon, je suis pas sûr en fait qu'on puisse passer ici déjà. Et on aurait été obligé de faire un déplacement là, 2 déplacements là, un autre là. Enfin bref, il y aurait pu avoir une unité sur le chemin qui m'aurait fait extrêmement chier. C'est pas en fonction de la ville, la case doit être sur un autre continent. D'accord! Parfait! Alors on va pouvoir mettre des missions un petit peu partout ici. Donc on fera peut-être pas une Liang. On n'a pas besoin d'aller settle justement véritablement sur le continent. C'est juste sur le terrain du continent. Alors là, ce qu'on a envie d'aller voir, c'est Oh, le volcan qui a explosé là. Ah, et là encore lui. Encore le cri, putain. Est-ce qu'on a une cité-état vers notre sud? On a eu Premier Empire. On va retourner vers là avec notre guerrier. Là, il y a un beau settle à aller récupérer. Par exemple ici. Ça va être très intéressant d'aller récupérer ce settle là en vrai. En place de ça, d'aller récupérer ce settle-ci. À côté du volcan. On va faire double colon après. Et évidemment, tête de veau me rappelle. Ah. Alors est-ce qu'il veut qu'on soit amis? Je sais pas, on va voir. Il a déjà rencontré une personne? À part moi. Il est en 3-2, 2-2 fois, 41 de gold, il n'y a rien de spécial. Pas l'impression qu'il ait rencontré quoi que ce soit en termes de cité-état. Et un autre volcan pas loin. On est en quoi comme catastrophe? On est en catastrophe 4. Ok, c'est noté. Catastrophe 4, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein. On va aller par là. Et on va découvrir Babylone. Ah oui, il avait 4 de... Ah oui, effectivement. Petite route commerciale. Alors on va pouvoir trade avec notre ami Chris s'il est sur l'eau. Assez efficacement. Puisqu'on va avoir plus de... Voilà, ça va être des super routes parce qu'on va avoir plus de gold quand on va trade avec l'Espagnol. Vers un autre continent. Je sais pas où est-ce que c'est marqué. Flotte des Indes. Les routes commerciales entre plusieurs continents produisent davantage. Plus d'or pour les routes extérieures, plus de nourriture et de production si elles sont intérieures. Voilà, voilà, tout est dit. On est en 4-2 actuellement. En 2-5. Oui, c'est le BG qui rajoute un de prod sur les poissons exploités. Et ça, c'est clairement, vous voyez, un équilibrage vraiment intéressant du côté du mode de BG. Parce qu'il manquait un peu de production du côté des cibles navales. Et je trouve que c'est extrêmement malin d'avoir fait ça. Bah, c'est top ça! On va être obligé de taper, j'ai l'impression. Hein. Ok, on va voir un autre settle ici, en vrai. Il y a 3 poissons à exploiter. C'est clairement une possibilité de. Plus tard dans la partie, évidemment. Étape peut-être pas loin. Astrologie, ça arrive, mais ça arrive tranquillement. Est-ce qu'on va découvrir une merveille? Pas sûr. Donc on a travaillé que 2 aménagements, comme vous avez pu le constater. Ça nous a fait le réca navigation astronomique, et on a été scouté un petit peu avec notre bâtisseur dans l'eau, puisque bâtisseur peut aller scout dans l'eau par rapport aux autres unités à ce moment-là, comme les guerriers ou comme les éclaireurs qui doivent avoir construction navale. Est-ce que le son est assez fort? Publicité mensongère ce titre, hein? CPL et FFA, on va tester les quadrillèbres de range. C'est bon, non? Ça peut pas meilleur temps de laisser un tour sur astrologie et de changer la tech ensuite. Alors on va faire un dernier tour d'astrologie et puis après on va prendre cette décision. Pour voir si on va découvrir une merveille ou non. Le volcan devient actif. Oh, ça c'est quand même... Il y a des petits poissons partout ici. Ok. Ah, j'avais pas regardé l'attrait. Mon mauvais. Mon super mauvais. On va se mettre... Est-ce qu'on se met là? Est-ce qu'on se met au milieu? 35 gold. J'ai envie de me mettre au milieu. J'ai envie de faire ça. Il y a encore un volcan qui va décider d'exploser. Hop, on va changer ces 2 trucs là. On a payé. Et astrologie, je suis pas sûr en fait qu'on va pu pouvoir avoir une... Oh là là, le land d'est de la Terre quand même. Ça peut être intéressant même si ça c'est pas bon. On On va faire un petit tour de construction navale. Donc le guerrier là, on imagine qu'il va se faire taper par le guerrier, c'est quasiment sûr. Ok. Ouais, il s'est fait taper par le guerrier et par l'autre guerrier aussi. Alors est-ce qu'on a le lieu des poissons? Où est-ce qu'on va prendre? Haha, il n'y a pas le lieu des poissons, putain. Il y a eu un Mali dans la game apparemment. On va prendre des ufeux, hein. Il y a 2 volcans, 3 volcans. Si on arrive à aller s'étaler vers là-bas rapidement, pourquoi pas. Les volcans des Fire. D'accord. Singapour. Et ça a déjà été mis par quelqu'un. Là ça va être relou, hein. Là ça va être relou. On va peut-être se remettre après sur le riz. Est-ce que notre B2 ça va être ça au final? Ah, on n'a pas eu les poissons, hein, les potes. Ça va être une partie qui va être un peu slow de ma part, je pense. Là, les 3 guerriers. Ok. Plus MIP. Il est où? Ah, on a rencontré l'Empire indien là, en fait, là où on est. Wow. Vous êtes extrêmement nombreux. On va racheter. Racheter ça. On l'a rencontré ici? Non, on l'a rencontré plutôt ici. Ok, il y a eu déjà une promotion. Et là, de ce côté-là... On va continuer d'explorer un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le cri est vers là-bas. Ok. Rasé par les barbares. Rasé par les barbares. Là, va y voir... Ils vont pas me tuer encore ce guerrier, mais... mais ils taffent. Ils taffent dessus. Alors on espère évidemment que ça va exploser. Singapour, pas une très très bonne cité-état. Ah, mon problème, c'est que si je tape et qu'il va après sur le riz là, je suis un peu baisé quoi. Alors là, comment je pourrais sauver? Je pourrais le mettre là, peut-être. Peut-être qu'en le mettant là, je vais le sauver. Peut-être que l'éclaireur va commencer à me taper. Il est en train de revenir vers le haut, lui. De retourner vers en haut. Alors, où Smip? Ah bah, soyons amis. Généralement, c'est ce que je fais. Les 2 premières personnes que je vois. On est juste potes. Ah, la merveille. Ah, il était là aussi. J'ai de la chasse pour le cri. Ça veut dire un bon spawn cri. Okay. Voilà, donc comme prévu, la moitié baisée. En train de me deny mes setups. Pas pu l'avoir. Pas pu l'avoir. Pas encore en tout cas. On va aller faire l'élevage tranquillement. Et Usmip a accepté ma déclaration. Bologne. Okay. Donc 2 cités-états bleues généralement dans le game assez tôt. On a envie de faire des... Ouais. Je sais pas où il est exactement, mais... on va prendre Premier Empire. Premier Empire qui va nous permettre de débloquer la carte 50% des colons. Bon, alors est-ce qu'il se met sur cette case là après? On a déjà tempo un tour donc... ouf, j'ai fait faire une erreur là. On va le taper. Et on n'est pas le premier évidemment à avoir découvert le Paititi. Il y a une cité-état qui est pas loin. Ah, shit. Shit. J'aurais pu commencer à faire quelques galères pour aller récupérer cette ville-là. Faudra combien? Faudra 35 encore une fois pour avoir l'industrie maritime. Un prime, ça aide nous et l'Edge. Bonjour, Chad, merci beaucoup. MJK finit par poser ses œufs de Pidum. Oui, c'est bon, il les a maintenant. Vous êtes méchants. Alors, on va passer par là. On va essayer d'aller un peu au milieu. Donc on est à 9 sur 19 actuellement. On n'a pas son âge d'or pour le moment. Mais ça arrive. On espère que lui va exploser quand même prochain tour. On espère que ça va bien exploser au moins 2 fois. Il va falloir qu'on aille se mettre là aussi. C'est ce que je voudrais bien comme position. Et on part sur la technologie des ports. Temple d'Artémis qui a été fini. Là il pourrait nous steal notre colon mais... c'est vraiment très très méchant. Ah, il peut plus le faire, évidemment. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, qu'on a en bas. Koumezi. Remets une galère. On a ce petit point de culture en plus. 6 tours. Juste en face de nous. On pourra pas faire beaucoup de galères. On peut essayer de pexer une quadrirème dessus, du coup. Mais c'est clairement une ville qu'on a envie de récupérer. Il est en 6-6. Il a dû rencontrer une cité-état. Ah, il a peut-être une relique pour avoir 32 fois là. Nous, du côté de ces autres barbares là, avec le colon qui est en train d'arriver, je sais pas trop comment on va s'en sortir. Et on a envie d'aller ramener notre petit bâtisseur aussi pour aller travailler une nouvelle ressource. Ça serait pas mal. Allez, le volcan qui explose. Nous féliciterait un petit peu les... voilà, il nous a bien attaqué comme prévu, ce salopard. On va se mettre là. Et là, dans la théorie, il va nous attaquer. On va aller travailler le riz pour le moment. Et une petite route commerciale directement sur Singapour. Là j'ai vu que la case elle venait d'être achetée. Donc, on va aller voir, peut-être qu'il y a un truc qui va être intéressant ici à les piller. Continuer de faire le tour. Continuer de faire le tour. On va se positionner là après en espérant qu'il nous tape lui. Et on va garder un petit peu de gold. On garde un petit peu de gold ou pas pour aller acheter un bâtisseur, pourquoi pas. Et au niveau de notre gouverneur... alors je vois, j'ai pas vu d'autres villes pour le moment. À part les cités-états. J'ai l'impression que je suis dans une mer intérieure. Grosse mer intérieure, mais une mer intérieure quand même. Ok... oh, il y a encore un guerrier derrière. Oh, chier. On va sortir un monument. Il nous faut de la culture en début de game pour arriver évidemment le plus rapidement possible sur les dogmes qui nous sont intéressants. Là, on a bien envie de l'asmo. Et s'acheter un truc là pour défendre. Là, on va pouvoir level up, mais on va pas pouvoir passer. Il va nous attaquer. Ça va être la merde. Ça va être full chiant. Ça va être full chiant. Donc, on a une possibilité peut-être de se déplacer prochain tour ici, d'acheter un fondeur. Ça nous permettrait d'être un peu plus rapide. Allez, on va faire ça. L'autre, il va continuer de nous attaquer en même temps. L'Empire de la Grande Colombie. Voilà. C'est Chuck qui joue à Grande Colombie. Ok. Alors, pas le Chuck que vous connaissez. Là, on va faire ça. Normalement, il va pas nous tuer. On a toujours la discipline en plus. Donc Chuck, il est allié avec qui? Avec une autre personne qui n'est pas notre allié actuellement. On a bien envie de lui piller son campus quand il sortira. Bien sûr. Salut Lucamina. Heureux, pardon. Bonjour au Corentin. Salut Chad. Alors après, ce qui est un peu chiant, c'est que s'il commence à récupérer ces cités-états là, c'est lui qui a... Alors il y a First Meal, il y avait deux cités-états, il va au moins en tuer une à mon avis. Alors j'ai bien envie de me mettre soit sur cette case-là, soit sur cette case-là pour profiter un petit peu du Panthéon assez rapidement. Ok, on se fait bien deny en tout cas, hein. On est bien content. Et dans deux tours, on va faire deux galères. On va aller taper ça. Est-ce qu'on va lui piller véritablement? Parce qu'il paraît, il peut se sentir un peu... Alors, on a des bonnes choses quand même à défendre. On va faire un petit coup ici, on va retourner là. Est-ce qu'on fait le tour ici? Allez, on va aller faire le tour. Là, je sais pas s'il y a un truc pour lequel on pourrait pexer, par exemple. On reste comme ça pour le moment. 2-7, c'est pas très bien, on n'a pas de population. Mais c'était le seul endroit où on pouvait aller. Donc on accepte. On était sur celle-là. On va double attaquer ici, puis après on finira avec le frondeur, j'imagine. Ok, là il n'y a plus rien. Ça va être long quand même. Ah, le setup est long quand même. Ah, une galère, d'accord. Premier empire, prochain tour, certes. On va faire une galère directement. C'est ça qu'on va faire. Là, on va se positionner ici. Et normalement, on va pouvoir récupérer ça. Quand même plutôt pas mal. Allez, explose s'il te plaît. Volcan, volcano, catastrophe 4. Il dépasse vers le bas, on dirait qu'il y a deux... Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, pardon. Complètement vrai. 6 tours pour l'âge d'or. Apparemment, on l'aura pas. Bombay qui est ici. Allez, avec un peu de chance, il n'y a pas de... Et bon, ça c'est bien. On va aller faire le tour avec le bâtisseur, toujours. Est-ce que j'y vais parce que j'ai perdu assez de temps comme ça? Je connais pas l'interaction avec le frondeur. C'est pour les interactions, à vrai dire. « 24 de défense. Ça commence déjà à sentir la merde. Là, j'espère que le campus va se finir prochain tour et que je vais pouvoir le piller. Si je peux le piller, il y a une chance que j'ai mon âge d'or. Sinon, relou. Voilà. On va aller par là, hein. On sait pas si on peut passer de l'autre côté. « 17 sur 19. L'histoire se répète encore et encore. » Et là, on a un méchant monsieur qui est là. J'ai pas réussi à mettre la puissance, j'ai pas été bon encore. Okay, 18 sur 19. On devrait l'avoir parce que navigation astronomique, c'est une technologie qui va nous faire un point de score. Donc là, comment ça va se passer? Donc on n'est pas obligé de déclarer la guerre. On va juste se balader un petit peu. Et là, ça serait un troisième. Je crois qu'on a déjà un. Du bronze. On a débloqué le Rika. On va revenir chez nous. Et est-ce qu'on se pose là directement? Il y a de la carrière et tout, mais je voudrais bien profiter de mon panthéon au bout d'un moment. Et d'en profiter le plus rapidement possible dans la game, quoi. On va se mettre là. Et j'ai bien envie d'acheter une galère. Il faudrait l'irrigation après pour pouvoir commencer à avoir des habitations sur Barcelone. Et on a lancé deux colons. Parce qu'on s'est dit que c'était ce qu'il fallait faire. Bon, on a rencontré le Mali. Tout va bien. Déclaration d'amitié, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est deux amitiés maximum. Je peux concentrer. On remonte avec le guerrier. Et il veut plus que je passe apparemment. On va aller se mettre là. un prime, ça aide nous, élèves. Ça donnera un peu moins de temps justement à ce colon de sortir. Et merci Pierre. C'est une règle deux amitiés maximum? Oui. Sécheresse? Non. Oui, sécheresse là. Là, la bonne sécheresse. Donc ok. N'a rien à changer. Toi tu vas régénérer tranquillement. Dans la cape. Toi tu commences à aller sur Kumasi. Et on va commencer à la taper. En espérant qu'elle sorte pas de galère. Ou alors on la prend, Kumasi, en cité-état. Et après on fait des trade routes avec les autres cités-états. Mais actuellement, pas ce qui est vraiment trop prévu quoi. Et lui il est à moitié coastal sur un autre continent. C'est pas mal. J'ai envie de balancer une autre galère. Il y aura sûrement un tour de prod pour la prochaine. C'est pas très rentable. Faudrait plutôt que j'achète un bâtisseur dans ce cas-là. Un bâtisseur ici pour aller taffer les deux trucs là. Ou un bâtisseur ici pour continuer de taffer les poissons. Ce sera la cape. Ce sera la cape et on ira travailler au moins un truc ici. Et à un moment, on arrivera à augmenter un petit peu la pop. Alors, est-ce qu'on se met là ou est-ce qu'on profite du maximum de... Là, on peut faire des choses en termes de sim. Je peux pas enlever ça, donc on va mettre ça. Ah, j'avais pas fini l'élevage. Ah, j'ai bien fait. Ah merde. Bon, alors mon âge d'or, pour le coup, c'est pas terrible. Il y a un petit cheval ici. Petit cheval ici. Alors là, je vous le dis souvent, il faut essayer d'avoir autant de population que vous avez de bonnes cases aménagées. Là, j'en ai une, deux, voire deux de trop. On va retourner dans l'autre ville. Hop. Voilà. On va se positionner où? On peut se positionner sur la teinture, à la limite. Ça serait pas mal. Et on pourrait pas se mettre là. C'est un petit peu dommage. Donc on va se positionner juste à côté. On va prendre notre libre-pensée, hein. De toute façon on n'a rien de mieux à prendre véritablement. Bon, enfin pour le moment. On va finir le tir à l'arc. Ah ça c'est clairement bien ça. Ça c'est clairement une bonne nouvelle ce que je vois. Et la galère est en deux tours. On va donc en faire une nouvelle. Quoi? Tu finis ton colon. Et il va falloir sortir le port extrêmement rapidement. Ah, 3 villes, tour 31. Problème de barbare. Et notre amitié est finie avec le cri pour le moment. On va la renouveler évidemment. Peut-être un petit truc à aller fureter ici. Je pense que je commence à taper. Plateforme commerciale. Et là on espère évidemment qu'il n'y ait pas de grosses unités comme une galère qui sortent. Voilà. Voilà. Alors. Ça nous sert un peu à rien d'avoir une 4-0 étant donné qu'on n'a pas de pop. Donc on va plutôt soit prendre la teinture, soit prendre la 1-3-1. Bon là 0. Peut-être mieux de faire ça en vrai. On va rendre ça à cette ville. Hop, philosophie politique. On va mettre un petit peu plus de cogniteurs avec le connoisseur. Industrie maritime toujours avec les colons. Et on va commencer à les... T'as fait l'écriture pour sortir des petits campus à un moment. Donc il y a 3 chevaux sur Babylone quand même, hein, je le précise. truc qu'il a beaucoup... Il a mis avec le cri, avec le chandra, avec le japonais. Pas avec le cri, donc c'est peut-être une... C'est peut-être sa cible. En tout cas, Babylone va être rasée apparemment. Ouais, une petite case sympathique. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à côté. On va continuer d'explorer avec lui. J'ai bien envie d'aller récupérer ça extrêmement rapidement. Je le lis. Est-ce qu'on peut passer là? Je suis sûr qu'on peut pas passer. On va aller travailler le cheval. Ici on va faire un monument encore une fois. Hein. Peut-être vouloir prendre la 3-1-4 pour commencer à emmagasiner de la foi. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une bataille navale à faire dans cette game. On va peut-être... Le Tchèque a déclaré la guerre à Babylone. Et ça se rapproche de moi, mais ça se rapproche aussi plus du cri. Je suis pas sûr qu'il m'ait vraiment bien scout. Je me sens pas en danger actuellement. 24 de force. Babylone a été vaincu en un round, les gars. Et on va continuer de taper Koumazi, on va voir le level up. Vivement que la deuxième arrive. Hein. Ce sera dans 4 tours qu'elle va pouvoir hit, voire 5. On va enlever le fog ici. Alors là, il me faudrait quand même avoir cette ville-là rapidement. Parce qu'on est en libre-pensée et que bah, il nous faut un peu de science quand même. On va aller prendre les positions. Après écriture, on va vouloir aller sur le travail du bronze. Les constructions navales, on verra pour un peu plus tard. On pourra enlever les colons à la limite. On aura philosophie politique, donc on aura l'oligarchie qui va arriver. Ah, je sais pas où il va, mais... Mais s'il vient vers moi, t'es la merde, hein. Parce que 3 cavaliers en général... Bonjour, c'est la Grande Colombie. On va se régène. Le grand bain qui a été fait de la part de Ousmip. Ok, ici il y a un petit camp barbare. On va demander à notre frondeur de revenir tout de même. Est-ce qu'on va aller récupérer ça directement? Ça a l'air d'être un peu compliqué. Et on va sortir notre port en plus 2. Pas sûr que c'était le meilleur choix en vrai, mais bon. On va dire que c'est ok. Et l'oligarchie, pour avoir plus 4 de puissance sur les unités navales, entre autres. Il nous faut les routes commerciales, etc. Ça, on peut faire ça. Il y a peut-être un truc qu'on va découvrir là. On est toujours à 5 de science. Pas beaucoup. Il y a des okis qui sont là. Oh là. Ok, c'est juste une galère. Hop. Bah on va aller à côté du volcan hein. Voilà, on va se mettre là. Et toujours son général qui est ici. Il va falloir voir un petit peu. Le SMIP a déclaré la guerre. La Murcie. Japon. Contre Chandra. Et Bologne a déclaré la guerre à Murcie. Ok, parce que l'autre a récupéré Bologne. Bon, un peu plus de science prochain tour grâce au port. 68 de score contre 116. Le mec a posé des campus, etc. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette game déjà. 4 villes. Le Mali est à 3 villes. Le Japon est à 4. L'Inde est à 4 aussi. La Grande Colombie est à 4 avec Babylone. La gamme est lente. La gamme est plutôt lente. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis par ça? On continue de taper. Hein. On va peut-être se barrer. On va peut-être laisser juste la possibilité, moins 13. On va donner juste la possibilité à cet archer de nous taper dessus. Et on va continuer d'attaquer avec l'autre. On va essayer d'aller récupérer ça. J'ai pas vu où il se dirigeait. Ça pue pour ma race. C'est mignon, mais tu es un tout petit peu con. Qu'est-ce qu'elle a dit là? En fait, je vais aller faire ce. Sorry. Tout petit breton. Merci Dotung et bonsoir. Pas de problème de loyauté avec Kumasier? Je pense pas. Je pense pas. Ah, d'accord, on a été préparé à voir ça. Ah, un négociant. Ensuite faire le tour avec lui. Je sais pas où il est parti, mais j'ai pas l'impression qu'il soit parti vers ici. Il a pas déclaré la guerre. Il a pas tiré, salopard. Il peut très bien être là. Hein. Voilà. Donc il y a une crue mais pas eu l'explosion. Super. On va dû faire dans 6. On va dû faire dans 6. On va d'abord faire donc un bâtisseur pour aller travailler ce fer là. Il n'y a pas d'autre fer, pas loin. On pourra avoir au moins un spade ou deux d'ici. Pouh, 10 tours. Pouh. On n'a évidemment pas la galère, on n'a pas évidemment Gaius. Personne pour le moment. Moi je suis pour que tu me tapes avec ça. Il y a 3 de mouvement. Je sais pas où il est parti l'autre. S'il est parti là, faut pas chier. Un cheval. Et il y a peut-être les autres derrière. Il est en guerre avec tout le monde. Malade. Un malade. On va faire un lancier ici en vrai. Oh lolo. Oh lolo. On pourra pas acheter de cheval parce que j'ai pas la tech. Ah, il a toujours pas de taper. Je pourrais double tape. On va se mettre là. Il y en a une qui meurt, l'autre va prendre le relais entre guillemets. Parce qu'il est tout simplement sur le... J'ai pas vu le général partir. Je sais pas où il est. Hello PM Lock, j'espère que tu vas bien. Your guy is dead now. What? Tech d'espace sans bosser le fer, c'est pas fou. C'est pas fou, hein. C'est pour ça qu'on est en train de tempo le bâtisseur. Enfin, tempo de le faire. On va faire équitation. Oh, 160 gold pour avoir ça, avoir ce prix. Nice price. Et on va se faire un petit archer de l'autre côté ici. 160 gold, hop, ce qu'on peut faire ici, c'est récupérer ça. Ça sera plus pratique. Un petit peu mieux. Donc là, il faut contrôler ces deux endroits-là. Mettre les archers derrière. Et pas de problème. Ok. Il n'y a pas de mur en train de se construire. Faut prendre, je pense, le up et tuer sur le prochain round. Voilà, d'accord, ok. Donc eux s'ils sont pas amis, ils vont se casser la gueule normalement. Ils sont pas amis. Pas amis les mecs. Est-ce qu'on commence à faire les petits phares? Je voudrais bien avoir formation militaire pour essayer de remonter un petit peu en termes de snowball dans cette partie. Équitation, construction navale. Et on va envoyer, un colon ou deux en plus. Peut-être un bâtisseur supplémentaire pour la B2, pour la B3. Donc ok, on a un beau campus ici, mais c'est sur une case que j'ai pas envie d'enlever. On va vraiment passer de l'autre côté. Après, il a fait une route ici, le mec. J'ai pas la vision, moi. C'est pas lui non plus qui l'a. On va faire ça. Un prime, ça aide nous et l'Edge. Merci. Merci beaucoup, Fliven. Ok, normalement c'est bon pour ça. Alors le petit bâtisseur qui est toujours là, tranquille. On va pouvoir l'envoyer peut-être sur la terre à un moment. Histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à droite à gauche. Et là, ce qu'on va se faire, on va garder la gaugée, la gogue. Je ne sais pas exactement comment on dit encore, je suis désolé. Désolé. Et avant ça, on va regarder route vers mes villes, route disponible, Bombay, Madrid, Babylone, Bologne. Babylone, c'est du +9 quand même. Hein. et Bologne, on a la quête. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre Ligue diplomatique pour avoir deux émissaires au lieu d'un lors de la première quête réalisée quelque part. Et comme notre quête, à Singapour aussi, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Ah, j'ai pas envie de lui mettre une route, putain, mais c'est ce que je vais faire. Je suis un connard. Et là, je vois 7 tours. Je vais le faire. On a ressorti des colons. Il faut qu'on... faudrait qu'on soit en âge sombre. On sait pas... C'est un peu chaud quand même. On va aller travailler ça. Et enfin... non. Évidemment on se fait troll. Il repart avec son cavalier apparemment. Hop, bon, voilà, un petit peu plus de science. C'est déjà ça. Et on va aller s'acheter. On va aller s'acheter des trucs là. Pas vraiment, plutôt de l'autre côté. Comme cette case là. Voilà, c'est bien ça. Ok, ok. Marché et l'autre, pourquoi pas. Proposer un accord. Hein? Oui, s'il veut. Là, je vais retourner, je pense, dans l'eau. Ok. Faut que j'ai la vision ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Waouh. Waouh. C'est ça qui va se passer vraiment? C'est vraiment ça qui va se passer? Quand même. Bon, alors on va se mettre là quand même. Hein. Formation militaire dans 2 tours. Ça me permettra de faire les ports et les bâtiments des ports un peu plus rapidement. Même bien plus rapidement en vrai. Construction navale, ok. Irrigation en même temps. En même temps. Vous avez compris. On va se mettre là. Il nous faudrait un... il faudrait que le scout en fait vienne de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui se passe. En vrai. Il faudrait que le scout aussi... bah scout. Donc on va aller scout avec le scout. Et on va se faire un petit éclaireur ici. Pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe de l'autre côté. Mignon, mais tu es un tout petit peu... merci. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Merci beaucoup. Mignon, mais t'es un tout petit breton. Oh, merci Malm pour le raid. Et bonjour Bachananas. Vas-y, un galère de l'âge, Géro. Non, pas du tout. Personne n'est mort. Salut S-Luc. Bonjour Donio. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. On n'a pas prévu son quartier. Merci beaucoup Malm. J'espère que ta game s'est bien passée. Nous, on a été stuck par des barbares qui avaient fait spawn d'un camp barbare ici. Ah, enfin! Évidemment, un volcan qui vient juste d'exploser maintenant. Donc voilà, pas de foi, on n'a pas grand chose dans cette game. Un score exécrable pour le début de la partie. Est-ce qu'on pouvait passer? On pouvait pas passer. Oh call. Oh call de ma part. Donc c'était relou. On a mesuré notre pénis avec un khmer, j'ai gagné. Ah, très bien. Très bien. Je suis fier de toi. T'as donné quoi, juste à titre informatif C'était combien à la fin? Bon voilà, on veut aller travailler évidemment ces cases-là. Ça au bout d'un moment, on va être obligé d'y passer. Bien d'accord avec vous. Et on va être obligé de rerouler. Premier le militaire de chaque côté, c'était rigolo. Et on peut appeler ça rigolo, effectivement. On peut dire, on peut dire. On peut dire que c'est rigolo. Hop, bon, voilà. On a notre petite défense qui est mise dans la choke. On a juste à up les différentes unités pour que ça soit quasiment impassable. Alors au niveau des routes, hein, on a envie évidemment que ça commence à pop, plus 18 de la Corogne vers Atacacoupe par exemple. C'est clairement des choses qu'on a envie de voir dans notre empire. Mais on n'a pas de port, on n'a pas de phare actuellement, donc clairement on ferme juste sa mouille. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité. Alors, on n'aura pas ça non plus. Hein. On n'aura pas de amiral. Pas de amiral. Pas de amiral de mon côté. C'est sûr. Pas pour le moment en tout cas. On va pouvoir mettre une ville en plus vers ici. Il n'y a pas de récif, c'est dommage. Donc on va voir... Ça fait des merveilles. Hein. La Padana, les jardins suspendus. Et on est en 26 sur 37. C'est vrai que c'est pas difficile de faire son âge sombre avec l'Espagne. C'est vrai que c'est pas difficile de faire un âge sombre. Voilà. Jouez comme moi là actuellement, et vous verrez, vous ferez un âge sombre. Là, vous pourrez me remercier. Alors, âge sombre into âge héroïque avec, comme je vous le disais, Monumentalité, Inksundracones et la réforme de la monnaie, c'est possible. Mais il va falloir qu'on pose des campus un peu partout. Et ça, c'est compliqué parce que. Quand on n'a pas d'eau douce, voilà on en a, bah, on va être stacké en termes de population, il faut généralement faire un port pour avoir un phare, donc des habitations. Alors formation militaire, ok, ça c'est bon. Alors est-ce qu'on peut prendre Singapour? Pas vraiment d'intérêt pour le moment. On va rester sur l'Ugarché pendant un petit moment j'ai l'impression. On va faire vétérance, tout simplement, production, colon, tout va bien. Acheter un bâtisseur au bout d'un moment aussi, c'est clairement quelque chose qu'on va faire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors ils se battent pas, c'est quand même assez étonnant. Cette ville-là, je ne la poserai jamais, peut-être que je poserai une ville derrière la rivière, mais ça serait étonnant parce que c'est que du plat et ils pourraient me taper assez facilement d'ici. Ici, sur cette 2-1, pourquoi pas, ça commencerait à être un peu plus compliqué pour qu'ils puissent me taper avec la colline de la forêt tropicale en face. Il y a des possibilités. Il y a des choses qui sont possibles. Il va falloir que je pose mes quartiers. Il va falloir que je pose mes campus, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est évidemment dommage que là, bon bah, il y a un mec qui me va chier. On est d'accord. Alors là, ça c'est le gris de le poser à côté du volcan, catastrophe 4, évidemment. Et surtout en face de l'adversaire. Là, c'est deux chops à faire, donc j'ai bien envie quand même d'y passer. Et pas de poser directement ce campus. Et une place de gouffre dans les parages, ça serait pas idiot. On a une possibilité de mettre une plateforme quoi ici, une autre là, une autre là. Donc on va peut-être mettre... Alors là, je sais pas si la Corogne va mettre une place de gouffre. Mais après là, il n'y a pas de mission. Après il y a des collines. On n'a pas besoin de trop de collines, j'ai envie de vous dire. Dans la situation, donc on va poser notre place de gouffre là. Poser notre place de gouffre ici. Ça sera déjà fait. Et on va poser un plus 3 là. On va couper ça. Ouais, sans sourciller. Ouais. Alors, mon bonhomme, mon copain, mon ami, on se prend un petit encens. T'es mon pote. C'est clairement mon pote. Il a accepté notre accord, c'est notre pote. Aucune hutte récupérée. Hein. Quand même. Aucune hutte, mais 3 camps barbares de tuer, c'est une bonne performance quand même. On a dû faire quand même guerrier en deuxième. Hein. On a fait guerrier deuxième production. Parce que sinon, bah on pouvait pas sortir de chez nous. C'est un peu relou. Alors j'ai quand même envie d'aller ramoter une petite galère de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Et là en vrai, bah, notre bâtisseur il a fait son taf. Ah, il y a le Japon qui est là. D'accord, donc le Japon c'est full de l'autre côté quoi. Si on veut aller faire quelque chose sur lui à un moment. Sympa. Alors là, on voulait remettre une ville. Il y aura deux campus qui seront sympas. Je pense qu'on va aller les taffer. Prochain tour, on va pouvoir le poser. Non, on va pas pouvoir le poser, mais on va pouvoir chop au moins. Pour le port, avec la carte vétérance. C'est une bonne nouvelle. Il nous manque des activités un petit peu. Est-ce que Chuck en 45-41... Non, il peut pas nous passer un truc. Toi, tu peux pas nous passer un truc. Toi, tu peux pas nous passer un truc. Je le traite comme un bot, le mec en face. Je lui donne des faveurs diplômes. Ah, on voit bien dans la IM actuellement, je suis d'accord, on regarde les stats. Ah, est-ce que c'est un gentil monsieur? Il a refusé notre accord. Il est plutôt logique. Il est plutôt logique, j'en conviens. J'en conviens, il n'y a pas de problème. Pas un souci. Je comprends. Donc évidemment, tous les récifs ont été mal posés, hein, de la part de l'IA. On est assez content par rapport à ça. Et cette ville-là va avoir des problèmes pour faire des quartiers. En mode, il n'y a pas de très bon campus, plateforme commerciale, c'est pas intéressant. Un lieu saint, évidemment, pour faire une religion à un moment. La religion, il y en a encore 5. On va peut-être clairement partir sur un petit lieu saint à un moment. Candy, déclaration de guerre au Japon. Et lui... on va aller se mettre là directement. Et je voudrais bien poser une autre ville ici en vrai. Et je suis pas sûr que ça soit accepté. Le campus. Ah, ok, on a fait du score d'air. C'est pas très grave. Est-ce que je le pousse tout de suite? J'ai vraiment envie d'aller le choper ça. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Pas de sous qui vont être dépensés pour ça. On va commencer à faire nos phares, on va commencer à faire nos routes. Et normalement, bon bah voilà, si on n'avait pas fait l'amitié avec lui là, on aurait dû avoir une game quand même. On faisait ce qu'il a. Ok, Mursi qui est ici exactement. Il nous a scout hein, aussi. Il est là. On sait ses intentions. Pas tout à fait, mais... on voit qu'est-ce qu'il peut préparer. Alors, colon, vétéran, ce machin... ok, pas de problème avec ça. Et après, on fera notre place de gouv ici. Et je voudrais bien acheter donc le bâtisseur pour aller chop, double chop ça. Faire une salle d'audience. Ou alors, non, une salle ancestrale et on resettle avec la monumentalité quand on sera en âge sombre. Donc d'ici 40 tours, on prévoit notre plan de jeu pour resettle dans 40 tours quand on aura beaucoup de fois, etc. grâce à la déesse du feu, tout le bordel. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Rouler avec la feuille à l'envers. Bon, lui, lui, il avait pas vu qu'il y avait des montagnes apparemment. Japon, meilleur cible navale. Ah, moi j'aime particulièrement la Norvège, mais bon, Japon, très bonne cible navale. Ça match avec... il vient de mourir. Je sais pas. Il y a un volcan là, pas loin, qui a explosé. Il y a un volcan ici. Mais il a pas explosé le gars. Il va falloir qu'on pose aussi, qu'on pense à nos missions. Nos missions, théologie, machin. Ça serait peut-être pas con de commencer à le faire directement. Hop, toi, je vais te choper ceci. 3 tours. 3 tours de gagner. Ok, donc dans 3 tours pour le colon là. On va régénérer un petit peu. 214 de fois. Ça peut faire une belle monumentalité sur le, le prochain âge. Bonsoir Julcim. Game tranquille, sim gratuit sur B2, B3, B4. Ah alors, sim gratuit, t'as pas vu le début de la game parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les barbares qui nous ont posé un camp, on a été obligé de faire une production de guerriers, de s'adapter, c'était... On a donc posé cette ville en B2 du côté de Barcelone extrêmement tard et c'est pas une ville incroyable. Ça vient juste d'exploser en plus le volcan. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué que prévu. Ah, je voulais partir ingénieur et militaire pour aller sur les conquistadors tout de même. On va faire ça, on va faire apprentissage en même temps. Là, je vais débloquer la tech normalement. Est-ce que je me mets là? Il y a une seule 2-2 dans les parages. Et après je vais pouvoir poser des missions. Alors on se met où? On va se mettre là. Et on va se mettre là. On va faire ça. Là si... Là il peut pas passer actuellement. Il peut pas passer si je reste là et si je fais pas ma mine. Si je fais ma mine, il n'y a plus de bâtisseur et il peut passer. Je pense que je vais bâtisser à la fin du tour. Voilà pour le baiser. Et je voudrais acheter un autre bâtisseur. J'ai pas trop le temps en fait de faire ces productions là actuellement, j'ai l'impression. Là, je me méfie beaucoup du gars en face. Il y a une solution aussi de mettre un gros push conquistador sur quelqu'un. Et sur le seul mec avec qui je suis pas habillé, c'est-à-dire... le défenseur de la foi... Ah, une croisade encore. C'est ce qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible. Stonehenge est parti, hein. Stonehenge est parti, on avait de la pierre, on aurait pu y aller dessus. Déjà mon split de continent. Le continent c'est ça, donc je vais être franc avec vous, moi j'aime bien de choper les j'aime bien de choper les riz. Je vais peut-être mettre mon lieu saint là. On va se mettre là. On va être en la chambre, donc attention à la loyauté quand même. Ok, dans un tour il y a ça, on va se mettre ici directement. Il va falloir poser beaucoup de missions. Hein. Voilà, on va taffer ça. Toi tu taffes ça, toi c'est bien toi. On manque juste de la pop. On manque juste de la pop et on peut pas partir de l'oligarchie, on peut pas l'enlever actuellement. On attend un petit peu quand même. Plutôt belle ville. Plutôt belle ville. Alors théologie, est-ce que ça nous sert véritablement maintenant? Bah, pas tout à fait. Donc on va attendre d'avoir tout simplement le réca, je pense. Et on va partir sur féodalité, sur... là, de quoi on a besoin véritablement? Un deuxième gouvernement. Ouais, pas mal. Féodalité. Féodalité, les campus, quand on aura le buff justement de l'Eureka. Alors qu'est-ce qu'on est en train de travailler ici? On travaille de la merde. Voilà, c'est très très clair. On va travailler ça à la place, ça sera un petit peu mieux. Normalement c'était cette case là hein, qui devait être travaillée. Et là c'est bien là. Et là on va poser le lieu saint ici. Parce que peut-être plus tard, on voudra avoir la possibilité de mettre un aqueduc là. Et avoir 3 zones industrielles ici. De Barcelone, de Madrid et de la Corogne. Et pourquoi pas si on se met là d'avoir d'un autre aqueduc et d'avoir encore un meilleur sim de zone indus. Donc du coup, il faut qu'on place notre lieu saint ici. Le lieu saint à 0, c'est juste pour faire notre religion, pour essayer d'avoir croisade. Ce serait quand même pas mal. Éducation jésuite, lieu sacré qui a été choisi. 27 sur 37, on fera notre achat. Je pense que je suis un des derniers en termes de score de la gamme. Ah, je suis... Derrière. Antananarivo, des barbares. Des barbares. Et c'est où la cité-état? Pas tout près. Candy. Plus Candy. Antananarivo, former un cavalier. Pas contre. Et on va aller se mettre dans la ville qui a le plus de population possible. Est-ce que ça sera Tolède qui va pas avoir d'habitation beaucoup, ou est-ce que ça sera cette ville de la Corogne? Allez, on va faire le lieu saint. Alors ici, est-ce qu'on se poserait pas de ce côté-là de la map? Je vois, il y a quelques poissons. Il n'y a pas de bon campus, alors que si je vais là, j'ai un campus à +4 directement. Et c'est ce que je vais avoir besoin, d'avoir de la science, alors que je vais être en âge sombre. On va se poser là. Vétérance, ça c'est ok. On va faire le +30% pour les bâtisseurs pendant un moment. On va faire le Big Diplo aussi, pour prendre ce petit point dans Antanana. Et nous faire un peu de bien. Hop. Et je pense qu'on va mettre tout simplement notre cher Pingalou. Pingalou. Alors je sais pas si c'est dans la Corogne que je le mets ou pas. Ça, mon seul... On va le mettre dans Tolède directement. Voilà. Ouais, bah ouais, hein. Ah, parce que je pense à la salle ancestrale, etc. et que c'est un peu dommage. Alors là, il faut clairement... Est-ce qu'il faut clairement qu'on puisse... Maintenant, on peut mettre un port là actuellement. Et ça va être long pour avoir le campus après. C'est ça mon petit problème. Ah, ça a explosé au moment où j'arrive. Okay. Encore? Je sens que je ne fais que ça avec toi. Je te redouer l'alliance. Alors, bah c'est les bonnes cases, hein, mais deux de population. Incroyablement relou. Et toi, est-ce qu'on fait son +5 directement? On a 2 points de... On a 3 cras, on a 3 poissons. On devrait pouvoir avoir la possibilité de faire ça assez rapidement. On va se racheter quoi? On va s'acheter... On va bien racheter poisson évidemment, mais pour le moment... On va s'acheter cette petite carrière. Et on avait dit qu'on voulait un bâtisseur pour ici. Mais on n'y arrive pas évidemment depuis tout à l'heure. À l'ancestral alors, c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir maintenant. Parce qu'on va pas resettle. Voilà, voilà, c'est la vérité. Elle est dure, mais c'est la vérité. Alors ici, on n'a pas grand-chose à mettre non plus en termes de quartier. On va avoir une petite plateforme co. Et je pense que première chose, on va faire des bâtisseurs. Pour la féodalité. C'est vraiment un BO complètement différent de ce qui peut être imaginé d'habitude ou quoi que ce soit. Hein. Quelque chose d'assez particulier quand même, ce que je fais, ce qu'on teste entre guillemets. Bon, après j'ai été retardé aussi en début de game, il faut se le rappeler. Yeah, l'amiral Rajendra. Rajendra, oui, si je peux l'avoir, je le prends. Voilà. Alors, on va avoir un score d'air avec ce campus à +2 là, à +4. Un peu chiant. C'est tête de veau, je suis dispo quand tu veux. Salut tête de veau, y a-t-il une solution? Oui. Comment vas-tu? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère. Ah, il me faut un petit grenier, il me faut avoir un truc pour pouvoir booster un petit peu la pop. Évidemment un barbare qui arrive lorsque mon colon se démarque de mon territoire. 6 tours pour l'âge d'or, la chambre pardon. Ah, la belle de Cadix. On va continuer d'explorer un petit peu avec ce bâtisseur. Ah, je sais pas pourquoi je suis allé du même côté en vrai. J'aurais dû aller de l'autre côté avec ce guerrier, avec ce scout. Alors, on va demander le libre passage à Usmip. On n'a pas acheté les cases encore. On va acheter cette case là. On a une belle case. Renseigne-toi si la croisade n'est pas banne. D'Auban. Iris d'Auban. Alors évidemment, féodalité, histoire écrite, deux trucs qu'on a envie d'avoir. En plus, splendide construit. Merci à lui. On va faire une bibliothèque. On va faire notre première plateforme commerciale. Ça semble ne pas être une si mauvaise idée que ça. On va avoir un peu de gold pour avoir nos routes. Et on va partir sur l'ingénierie militaire. On va faire ingénierie d'abord. Pour avoir l'aqueduc pour le poser. Pff. Pas fou hein. On va partir comme ça. 76 de science du côté de Chuck. Naval dans 19 tours. Et on n'est pas encore en âge sombre. Hein. Ça va augmenter de pop, donc il va y avoir... Non, alors ça, vous faut arrêter direct. Hein. Pas de bail, il n'y a plus que 4 points. On va pas faire le tour du monde. C'est un FFA, Burneri, exactement. Alors, là on a une bonne case à... Ah là, faudrait que j'achète cette deuxième case là. Bon, ça va être un peu chiant. Il vient de poser cette ville. Hein. Les bâtisseurs. Il est en train de se régénérer ici. Un peu bizarre. Hop. 8 tours, ok. Il va falloir qu'on aille travailler les différents poissons pour augmenter la population de la ville. Hop. Ça c'est très simple. Ouah, wow, c'est vrai, ville dans la toundra. Ville dans la toundra. On va voir s'il n'y a pas un petit truc au nord. Singapour, etc. Bah non, hein, c'est pas ça qu'on veut. On veut, c'est faire des routes à 18 gold. Barcelone, la Corogne. Barcelone, la Corogne, apparemment, déjà, c'est pas mal. Ok, 2 tours. On va faire un petit tour de ça. 3 tours. Bon. On a le temps. Faire mon grenier ici. Ce sera la ville qui va sortir beaucoup de colons à un moment. Ouais, on a de la pierre, on a beaucoup de choses à choper. Salut Fersos, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jean Razad. Un Bilbao, 36 tours. On va aller récupérer quand même des titres de gouverneur. Il y a 2 phares qui vont se finir, donc ça veut dire 2 routes supplémentaires possibles. voudrais bien avoir le 30% tout de même. En plus sur les bâtisseurs quand je vais les faire là. Ah, par exemple là sur Cadix. Ça m'irait pas mal. Pareil sur Koumazi en vrai. 7 tours. C'est long. Hein. Alors. Bombay, Jabalpur. Peut-être 1. Ça passe par où là? Ça passe comme ça. C'est pas mal en vrai. En vrai c'est pas mal. 2 tours. On va faire ça. Oh, qu'est-ce que tu travailles depuis le début? Bah, pas grand chose de bien. Hein. Toi on t'achètera un bâtisseur, c'est quasiment sûr. 34 sur 37. Au niveau de l'âge. On va retourner dans la flotte. Le lieu 5 qui va tomber, mais il est pas en plus 3, donc ça va pas nous finir du score d'air. Et toi enfin tu vas avoir de la pop. Et tu vas pouvoir commencer à gros un petit peu. On va te mettre le riz d'ailleurs. Modalité. Et après ça sera histoire écrite. On a un nouveau campus qui va arriver bientôt. Féodalité, histoire écrite et théologie. Je pense que ça sera ça notre fonction publique après pour avoir les alliances et pour avoir des meilleures routes avec nos copains. Alors ça aurait été bien de mousquet push, etc. De conquistador push, mais pas sûr qu'on puisse faire ça véritablement. On va pas avoir de général. Il y a le Zoulou qui est en train d'en faire 5 points en plus. Combien de généraux ont été récupérés là, de cette ère-ci? Il y a eu Sun Tzu, donc c'est le premier. Oh putain, nouvelle civilisation rencontrée. 2 tours. Ah, je fais plus rien. Empire coréen. Je me barre en fait de tout d'ici. Je m'en vais. Bâtisseur. J'aurais pu rencontrer le triangle des Bermudes là. Ça aurait été terrible. Ok. Toi, tu peux nous faire un négociant, un bâtisseur. Toi, tu peux profiter quand même d'avoir le 30% encore pour un tour. Ah, je ne veux pas aller là. Hein. Je ne vais pas aller là. Hein. Je ne me déplace plus. On va peut-être faire une route dans une nouvelle civilisation, donc établir un comptoir commercial. C'est terrible évidemment. Ça va nous rapporter un point de score d'air. Il faut évidemment pas faire son spadassin. Et ici j'ai bien envie de reprendre la vision, mais bon, ça c'est bloqué par Murcie. Donc Murcie et japonais, peut-être qu'il peut y avoir des chevaux qui vont arriver de Maracaibo. Je pense pas. Hein. Ok. Féodalité, prochain tour. On va pouvoir poser des missions évidemment un peu partout dans le Gondwana. Alors Ur, un petit peu dommage évidemment. On va avoir des missions qui vont pouvoir se poser là, ça va être sympa. Tout autour des campus aussi, tout autour des lieux saints. Premier examen du nouvel ère. Ah. Je vois qui que ce soit là. J'ai envie de rien faire, j'ai envie de pas bouger. Juste de Shift Hunter. Ah, me dites pas que je rencontre quelqu'un là. Ça serait terrible. Dans mon cerveau, ça serait terrible. Parce que toute la strat qu'on a prévue, entre guillemets, c'est mort. Tout le monde est sur les bâtisseurs. Quasiment un tour. 130 gold, on va pouvoir l'acheter bientôt. Et qu'est-ce qu'on va te mettre ici? Je vois bien un petit colosse là, avec une place de théâtre ici après. Non, en vrai, il nous faut des campus. Un point. Je peux plus tout autour, c'est une case sur deux maintenant. Ok. Ah, c'est vrai que c'était bien nerf, alors que... On peut poser le campus ici. J'ai peur. 28 secondes. 28 secondes. 28 secondes. 20 secondes. Je commence à aller vers le nord là, ça me plaît pas trop parce que j'ai envie d'avoir le Gondwana. Hein. 36 sur 37. C'est bon. On est en âge sombre. Cool. Top. Nouvelle source de salpêtre qui est ici. Ça nous nique rien. 4 tours. Tours. 11 tours. Six tours. 6 tours. Va falloir réfléchir. En vrai, je sais pas comment on va faire. Région que vous avez fondée la première fois. On va faire des prières. Histoire écrite prochain tour, mais bon. On va quand même le faire. Alors, attendez là, parce que... Comment on fait pour ça? On va être obligé de mettre l'Umitae. On va devoir trouver de la pop en plus. 7 tours. Il faudrait un autre colon ici. Et je vais pas avoir la possibilité en aussi peu de temps de le faire. Ah, c'est cette ville de Bombay là qui nous met dans la merde. Koumazi, c'est tendu aussi, 11 tours. En plus, on a enlevé le Pingala qui nous permettait d'avoir plus de science. On va avoir la possibilité de mettre un Magnus, de mettre un Victor par exemple dans Valladolid. Et d'avoir la promotion. Pour loyauté plus 4 par tour dans vos autres villes se trouvent dans un rayon de 9 cases. Donc ça nous fera être à combien cette histoire? On sera à moins 9. Un 9 c'est pas assez encore. Il faudrait vraiment une autre ville. Juste à côté, mes colons ont 14 tours. Plus la cave. On a voté. On va rapprocher. Comme ce qu'on voulait. Et on a un petit amiral. Est-ce qu'on pourrait... Oh là là, ça vole dans 4 tours. On n'arrivera pas là. On va juste flip. Hein. On va juste flip. Cette ville-là. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et ton monument aussi. Merde. Acheter mon monument et ça sera, il n'y aura pas la culture, il n'y aura pas la loyauté. On essaye de faire ça du coup, prendre la promotion sur Victor, sur Valladolid. Ancestral. Là, pendant ce temps là ça aussi ça se fait casser la gueule. Il y avait une petite route ici. On va utiliser ça. Ah, je réfléchis, hein. En pleine réflexion. Tous mes moyens là, bim. Ok. On peut faire ça. Toujours 4 tours. On n'y arrivera pas. Hein. Ah, le problème c'est que le gros baisse. Est-ce qu'il y a un moyen, une manière, un truc? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on est juste fucké. Je crois que c'est juste mort. Ouais, ça c'est pas terrible, hein, évidemment. C'est que le début, pour nous rassurer. Si je mets un peu de gros ici. Je vais taffer les mines. Simplement. Quatre tours, on va chop ça. On l'aura donc en 2. Et là, faut pas que la population baisse non plus, parce que ça. Ça joue sur les villes évidemment à côté. Ah mais le confucianisme. Ah carrément. Carrément le confucianisme en fait. Les Zoulous. Les Zoulous vont. Les Zoulous. Les Zoulous ils vont prendre Croisade. C'est sûr. Est-ce qu'il faudrait pas que j'achète le mec? Recrutement impossible. On va se faire fucker. On va se faire fucker. Tous les moyens possibles. Bon là t'as fait ça parce que voilà, on est... On se sent dans la merde. Quatre tours. On va essayer d'avoir de la population. 2-3 ici. Sur Barcelone, ça nous fait une belle route. 4 tours. Wesh, c'est pas simple hein. Sortir un campus là. Ça c'est 5 tours. On avait oublié ça aussi. 4x c'est bon. Vas-y. Voilà, plus de culture maintenant. 11 tours et il nous faudrait donc... Alors route vers mes villes. Aucune route vers mes villes. Parfait. Faudrait qu'on sorte. Bon. Je voulais avoir une ville ici, faire des trucs. On peut pas sortir comment véritablement là. Ça serait peut-être sur Tolède qu'on aurait dû sortir un campement. Il a pas encore recruté l'autre, le Zoulou là. Ok. On va voir le Victor, prochain tour. 4 tours. 4. Oh là là, le Confucianisme. Allez, chef de garnison. Ça n'a pas bougé, j'ai l'impression. Moins 4. On est à moins 4. Le problème c'est que ça pop plus là. Il y a peut-être ça à aller chop. On va chop ça, il y a peut-être un moyen. Le colon là, bon... let's go hein. Attaque à poupe. Il n'a pas fait sa religion encore. Inde, Mali, Niani, Japon. Bien en récupérer. Évidemment, c'est passé à 60. Terrible cette gamme. Gamme terrible. On va aller chop pour essayer de sortir le campement peut-être. Six tours. On va pouvoir aller chop le marécage, ça va nous donner un point de pop de plus. On est sur du micromanaging les potes. Tout ça pour ne pas perdre une ville à loyauté alors que y a du monde en face. Alors ils sont copains hein, généralement, mais Chuck est pas vraiment full copain. On a un japonais qui est là qui va venir au bout d'un moment aussi. Hein. Faut se rendre compte de ça. Ah, j'imagine. Il y a la Bilbao évidemment, ça c'est bon. On va chop ça. On va choper le marécage derrière. Alors là, il va y avoir un point de plus, but on veut poser son campus et on a bien envie de faire le colon pour le mettre là. On peut avoir moins de problèmes de loyauté en même temps. « 160. Quel game. Et toi, c'est 15 tours. Toi, ça va. On va dire que ça va. On va dire que ça va. On va aller travailler ça. Je sors un colon. On va attendre de te choper ça pour un colon. Peut-être ça aussi en vrai. Les deux cases. Faudrait fonction publique un tour plus tard. Toi, mon toi. Faut faire un bâtisseur. En attendant, toi t'attends. Oh. Négociant là. Route vers mes villes. Pleine route vers moi en tout cas. Bologne 11 points, Antananarivo 5 points. On met un cavalier. Complètement irréel. Complètement irréel. Ton monument. Mon monument. Et là, le monument, 32 prod, on va pouvoir chop. Même pas besoin de l'acheter. Ça, c'est top aussi. On va passer un peu plus de pop là. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, peut-être aller chop ici plutôt. You play what you have. Ah yes. 999 tours, c'est chaud. C'est chaud, mais on va te choper le bois là, et ça va nous faire le monument directement. 4 tours. 4 tours, loyauté. Moins 3,7. Moins 3,7, on a pris un petit point en plus à la pression des citoyens en proximité. C'était bien. C'était bien. Donc, monument, on relie. Hein. Loyauté par tour plus 1 dans cette ville, et si la loyauté est déjà maximale, culture plus 1. Donc, il faudrait que ça se passe bien au niveau du chop. On pourrait aller chop ça. Un prime, ça aide nous et l'edge. En tout cas, c'est terrible. En tout cas, ce qui se passe, c'est terrible. On va aller travailler aussi d'autres poissons. Hop, ça c'est fait. Et c'est écrit 3 tours. Dans l'eau. On va faire encore une fois un bâtisseur. 3 tours pour celui-ci, pour le coup. Tours, on va préférer 2 tours. Ce petit poisson, on essaye de faire des trucs. Hein. Je vous jure, on est à son maximum. Ça fait peur. Hop. 8 tours. Ça vient de baisser, hein. Attendez, je veux juste vérifier un truc. 5,8. Ok, ça marche bien avec l'éclairage. Ah, bonjour, ok. Essaye de recruter prochain tour. Recruter quoi? Essaye de recruter un prophète prochain tour. Prière au lieu saint. Ah, il est là, il est prêt. Il est présent. Il va arriver. Alors ici, je voulais reprendre la vision du mec là parce qu'il a 479 d'armée. Et clairement, ça fait peur. Pour moi, ça fait peur. Bon, j'avais tout... J'ai tout aménagé. 2 tours. Marqué 2 tours. Pop 3, pop 7. Marqué 2 tours. Marqué 2 tours. 23. 7. Ah. 4-4. On va pourquoi. Pas d'activité. Il me faut des luxe. Il me faut des luxe. Ah oui, avec plaisir. Ok, et Usmip. Ah, mais attendez. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. J'avais pas pensé à ça. I can't. I can't. Check. Check. Salopard. Et à 5. Trois tours. On revient à 3 tours. D'accord. Ah ouais, ok. Ah, sorry. Ils sont gentils, ils sont gentils. On se 21. Ok. Bon, on a vu des cités-états, on a vu un peu la map. On a vu un peu mieux la map du coup. Évidemment, il a pris croisade, l'autre. Évidemment. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Je n'ai rien à prendre. Je n'ai rien à prendre. Voilà. Je vais prendre ça. Et je vais prendre... J'irai France. Je vais demander. Ah la vache. 14h mercredi. Si tu crées une religion, Bilbao doit pas la suivre aussi, sinon elle prend moins 3 de loyauté par tour, plus 3 si elle la suit, il n'y a pas de demi-mesure. Ah ouais? Oh putain. Oh putain. Ah ça doit être les autres effets. Putain, j'ai bien remonté pourtant. Là, prochain tour ça flippe là. Prochain tour ça flippe. Ah je savais pas ça le truc de... Au secours. Oui, j'ai vu! J'ai vu tête de veau! Là, ça flippe prochain tour. Et j'ai pas d'unité pour la reprendre rapidement. Là, ça flippe. Là, c'est plus Bilbao. Chez moi. Et là... Plus chez moi, ça. Ça, de toute façon, je le fais, mais... Terrible. Terrible game. Et là, on n'est pas en voie d'avoir son héroïque. On est en 50 sur 55. Oui, si tu veux. On a 5 émissaires. On ne peut rien prendre. Nanmadol. Nanmadol qui est là. Merde. Hein? Ah bah je suis en... Ah bah bien sûr, je suis en guerre contre l'autre maintenant. Et il m'a pillé une route. Ah formidable, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Voilà, avec le bâtisseur qui a été récupéré aussi. It's not my fault. It's not me. It's not me, guys. J'hésite à demander l'IRL et qu'on en fasse une autre. L'autre effet, c'est le scout avec la carte. De quoi ? C'était pour toi une belle ville. Donc on n'a pas du tout réussi à faire ce qu'on voulait faire dans la game. C'est bien dommage. C'est bien con. Alors on va se faire un spad. Et après on fera... on fera s'il faut. 4 tours. 4 tours. 4 tours. Ah, c'est des belles cases. Là, on pose des belles cases. Et 4 tours. 4 tours, 4 tours. C'est... Lire le vote. On va demander de lire le vote alors. Parce qu'on a héroïque après par contre. Je suis bien. Je suis bien. C'est trop triste pour l'instant. C'est vrai que c'est triste. Je me suis pas battu. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de pause. Je me suis pas battu, il s'est rien passé dans la game. Il s'est rien passé dans ma game. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie. Genre j'ai dû faire 150 games sur CPL. Je n'ai jamais eu cette situation. Mais genre jamais. Parce que j'ai pris les bons settles. J'ai réussi à faire mon premier âge d'or, premier port. Bon bah là oui j'ai un port à la con. J'aurais dû mettre un campus à plus 3 de base. Mais j'aurais pas eu de pop sinon. Donc, bon ok, je suis d'accord. La Corogne, Valladolid, Tolède, bah je peux pas faire mieux. Voilà, il te passe. Bon là, moi j'ai abandonné. Dans le titre du stream, il n'y a que le LOL qui s'applique. Exactement, parce qu'on n'a même pas fait de quad. On n'a même pas pu faire une quad. On a pris Kobasi, on a même pris une cité-état assez rapidement, alors qui était assez bad. Hein. Vous savez ce call là du guerrier en production directement dans la capitale? Parce qu'il y a un camp barbare. Si j'envoie mon guerrier bah, juste en bas de ma ville, de base, bah, la game se passe pas du tout pareil à mon avis. La game se passe pas du tout pareil. Alors il y a un autre staging, on va y aller, FFA, bim, 20h03. Ah non. C'est pas ça.